La photographie à l'honneur à Rueil-Malmaison pour cette rentrée culturelle avec l'exposition consacrée à Sabine Weiss. Nous avons pu rencontrer cette grande photographe humaniste quelques jours avant le début de cette exposition à l'atelier Grognard. Je m'appelle Sabine Weiss, je suis photographe. J'ai fait des quantités de choses, de publicité, de reportages, de mode, dans tous les domaines politiques. J'ai photographié plein de gens connus, des rois, des ambassadeurs, tous les présidents. Mais ça m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'homme et de montrer ce qu'il a en lui dans une photo très simple. À 87 ans, Sabine Weiss a passé près de 70 ans derrière l'objectif. Aux côtés de Robert Doisneau et Willy Ronis, elle a travaillé à l'agence de presse Rafo. Elle a voyagé dans le monde entier. En septembre, elle présente à l'atelier Grognard de Rueil-Malmaison son exposition Un certain regard. Ce que vous voyez dans cette exposition est plutôt ma récréation, mon carnet de notes de mes temps libres. Il n'y a aucune photo posée ici, d'enfant ou autre, il n'y a pas de photo posée. Les gens quelquefois voient que je les photographie, oui, mais c'est ça qui est aussi très intéressant en photographie, c'est le rapport qu'on a avec ces gens-là. Vous savez que si vous voyez une personne très très pauvre, très très misérable, très très seule, ben vous la regardez à peine. Quelquefois vous faites même un clochard ou un mendiant, vous faites semblant de ne pas le voir. Et si vous le voyez, que vous lui faites un sourire, que vous photographiez autre chose, que vous vous approchez de lui, que vous lui parlez, il y a un contact qui s'établit et il en est heureux. Photo très simple exprime vraiment ce que la personne a en elle. Elle parle toute seule ou elle parle si peu que ça dit beaucoup.